Être ici comme ça avec ces gens maintenant, mais c'est le rêve de n'importe qui, je crois. C'est complètement fou. Et je crois que je réalise pas du tout. Quand on écrit un livre, vous savez, on se demande si quelqu'un le lira. On se demande d'abord si quelqu'un voudra de ce livre, si quelqu'un voudra éditer ce livre. Et puis ensuite, quand il sort, on se dit, mais est-ce que les gens vont aimer ce livre? Et il y a beaucoup de doutes. Puis tout d'un coup, être ici aujourd'hui, avoir ce prix. Je crois qu'on sait qu'on est écrivain à la fin de sa vie. C'est un livre au fond qui pose la question de qui sont les écrivains. Et voilà, on ne sait pas très bien. C'est pour ça que quand vous me demandez est-ce que je vais écrire des livres toute ma vie, je me dis mais quelle question horrible. Laissez-moi finir ma vie et ensuite je saurai si j'écris des livres ou pas. Après les premières pages, j'avais des tas de choses à faire. Je n'ai pas une vie de loisirs. Ben, j'ai tout laissé tomber, des tas d'obligations. J'ai oublié de dormir, j'ai oublié de me nourrir, j'ai vécu avec ce livre. Et quand ça vous arrive, moi j'ai connu ça avec Alexandre Dumas, avec des romans qui vous emportaient de bout en bout. Et ben j'ai connu ça il y a très longtemps que je ne l'avais pas eu. Et je dois dire que je suis dans le bonheur. Monsieur le Président.